Soyons justiciers. Pyjamas, des pyjamas, pyjamas, des pyjamas. Car la nuit, on poursuit les petits bandits. J'ai pas vraiment dit. Pyjamas, des pyjamas, pyjamas, des pyjamas. Pyjamas. Gluglu et la chasseuse. Tu te rends compte? Pâques, c'est demain. On n'a plus qu'un seul jour à attendre. Oui, plus qu'un jour avant la chasse aux œufs. Ce qui serait vraiment chouette, c'est de ne pas avoir à attendre et de pouvoir manger mon œuf tout de suite. Mais si on attend, ce sera encore meilleur après. Tu veux rire? Moi, je ne vois pas pourquoi ce serait mieux d'attendre. Les enfants, je vais ramasser vos œufs pour les cacher. Demain, à vous de les retrouver. Oh! Je veux manger tout le mien maintenant. Ce n'est pas une bonne idée, Greg. Le chocolat, c'est très bon, mais trop d'un coup, ça fait mal au ventre. Moi, ce qui me donne mal au ventre, c'est de devoir attendre. Ouais! Ouais! Là. Pas du tout, je voulais juste voir quel était le chemin le plus court entre la cachette et mon ventre. Hein? Des empreintes, celles des farfelous. Ils veulent sûrement voler mon œuf. Je veux dire, les œufs de toute la classe. Pyjamas, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Bibou! Ouais! Ha! Greg devient... Bibou! Sacha devient... De leurs griffes. Oui, que la chasse aux œufs commence. À vos marques, prêts? Yahoo! Partez. Un œuf, ça ressemble plutôt à... Bark, un oignon. Poil au menton. Yo-Yo s'élance et marque un panier.
victoire pour notre équipe. Super, on les a tous. Tout ce bon chocolat au lait crémeux qui fond dans la bouche. J'en goûte juste un peu. Glu-glu, non! Un œuf en chocolat! Je suis désolée, je n'ai pas pu attendre. Yo-yo, viens, on va faire diversion. Moi, je vais mettre les œufs à l'abri dans l'école et les protéger. Protéger, pas grignoter, d'accord? Patiente jusqu'à demain, tu verras, ça vaut le coup. Je vous promets de bien veiller sur eux. Bibou Tornado! Vous sentez cette bonne odeur? On va se régaler. J'ai une faim de loup, c'est le cas de le dire. C'est par là, en avant la meute! Ne vous inquiétez pas, les œufs. Avec moi, vous ne risquez rien. Je veille sur vous. Je vous protégerai jusqu'au dernier, mes délicieux, mes appétissants petits œufs. Oh. Non, non. Résiste, Glu-Glu. Tu as donné ta parole. Protéger, pas grignoter. Patiente jusqu'à demain. Hein? Oh. Un œuf tout neuf. Liam, qui c'est qui l'aura? C'est moi. Vous n'aviez qu'à être plus rapide. À moi le chocolat, je ne le partagerai pas. Quoi? Une pomme de terre crue? Oh, oh, aïe, oui, Là, regardez, les pyjamas à chouette. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent ici? Ils ont remplacé les œufs pour nous piéger. Et toi, évidemment, tu les as crus, patate crue. Non, c'est toi qui t'es fait avoir. Attends que je t'attrape. Mission œuf accomplie. Oh. Juste une petite bouchée. Oh. Glu-glu, tu avais pourtant promis. Quoi? Oh, je vous demande pardon, les copains. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Tous les œufs sont dans le même panier. Cette nuit, on va faire un festin de chocolat. Pas étonnant que tu sois malade avec tout ce chocolat. Oh. Et les petits trucs, ouvrez-nous. Pas question, les fougarous. Les farfavoleurs. Si c'est ça, on va rentrer de force et tant pis pour vous. Ça va, rien de cassé. Cette fois, j'ai plus d'idées. Je sais, on va souffler, souffler si fort que leur école va s'envoler. C'était dans un livre que j'ai dévoré. Il faut souffler, souffler très fort. Je ne crois pas, ça n'a pas marché. Évidemment que ça n'a pas marché, gros garou. C'était une idée à toi. Yap, yap. Regardez. Yap, yap. Yap, yap. Hallucinant. Des hurlements supersoniques et notre école qui dégringole. Tout ça, c'est ma faute. Il faut que j'empêche les farfelous de nuire. Ne t'inquiète pas, Glu-Glu. On s'en occupe.
Tibourg contre la meute de loups. Leur hurlement est trop puissant. J'ai gâché la chasse aux œufs de l'école à cause de mon impatience. C'est l'heure d'être un vrai héros. T'es sûr, Gluglu? Parce que là, plus question de grignoter en cachette. Je sais, c'est le moment de tendre un piège en cachette. Ding ding, vous êtes servi. Faire sa place. Gluglu, tu as réussi. Tu as sauvé tous les œufs en sacrifiant le tien. Pyjamasque, on crie hourra. Cette nuit, on a réglé les dragas. Le nid géant. Regardez, la porte de la réserve est ouverte. Oh. Youhou, y a quelqu'un là-dedans? Oh non, il manque du matériel. Les cordes ont disparu. Et les lanternes aussi. Comment ça se fait? Je crois que c'est Ninjaka qui a volé tout ça pour aller explorer la montagne mystérieuse. C'est possible. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Oh, j'ai trouvé ça par terre. La liste de Ninjaka pour la montagne mystérieuse. Cordes, ok. Lanterne, ok. Parchemin, ok. Dans ce cas, les amis, il faut qu'on aille le surveiller. Pyjamasque, on a un nouveau défi. Les soucis ont les règles de la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Greg devient... Gluglu! Sacha devient... Yo-Yo! Les Pyjamas! Salut mon pote! Hello, Pyjarobo! Salut, Pyjarobo! Alors, quoi de neuf? Plus vite, Teen Ninja! On n'a pas toute la nuit! À tes souhaits! Et maintenant, remue-toi! Ça ne me dit rien qui vaille! Allez, venez! On va prendre nos pyjamotos! Comment vas-tu, petit arbre? Oh. Qu'est-ce que tu veux me dire? Des intrus sur la montagne? D'accord, allons jeter un œil. Peur. Pas du tout. J'ai fait ça pour tester vos ninja réflexes. Oh. Tu es vraiment sûr que c'est dans cette caverne que se trouve la source des étoiles collantes? Hey, j'ai une idée. Je reste ici pour monter la garde, pendant que toi, tu vas explorer. À tout à l'heure. Oh non, c'est cette enquiquineuse de flammes rouges. Et je ne suis pas d'humeur à la remettre à sa place. Il faut qu'on se cache, et vite.
a échappé belle. C'est parti. Explorons cette caverne obscure et très légèrement effrayante. Aucun signe de Ninjaka. Oreille de chat. Ils sont là-bas. Tu as trouvé la source des étoiles collantes, Dininja ? C'est bon, j'en ai vu assez. On fait demi-tour, Ninja Zouave. Dininja ? Plus. Elles reviennent! Cachez-vous! Pauvre petit ninja! Le monstre aux étoiles collantes l'a sûrement attrapé! Oh, il va vraiment me manquer, ce petit bonhomme! Hein? Petit ninja, tu es sain et sauf! Une seconde! Le monstre géant, où est-il passé? Ça veut dire qu'il est toujours dans la caverne? Oh! Halte là! Qu'est-ce que tu fais ici, Ninjaka? Je ne rêve pas, c'est la bande des Pyjaminus. Eh bien, je suis venue ici pour faire un parcours de santé au fond d'une caverne. Et avec un ancien parchemin? Ouais, moi je n'y crois pas trop. Tu ne vois pas que je suis occupée, Teen Ninja? On cherche un truc, c'est tout. Lâche-moi, je te dis que je suis occupée. Oh non, je n'entrerai pas là-dedans si j'étais vous. S'il ne veut pas qu'on y aille, c'est qu'il a découvert quelque chose. Pas du tout. Si je dis ça, c'est pour vous, crâne de piaf. Il y a un monstre dans cette caverne. Mais bien sûr, t'as rien trouvé de mieux comme mensonge. Si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à aller voir vous-même. C'est ce qu'on va faire. Et comment? Je suis sûre que là-dedans, il y a quelque chose qui ne veut pas qu'on trouve. Tu as laissé le parchemin à l'intérieur. Oh. Il ne faut pas que les pyjamas le récupèrent. Et en même temps, je ne peux pas te laisser y retourner. Teen Ninja! Tu es sûr et certain qu'il n'y a pas de monstre ici? Hein, Yo-Yo? T'inquiète, il a inventé cette histoire pour nous faire peur, c'est tout. Je vais vérifier. Hibou Vision! Non, je ne vois rien d'anormal. Oreille de chat! Je n'entends rien d'anormal non plus. Hein? On ne se fera pas avoir. Suivez-moi! Stop! C'était quoi ce bruit? Oh! Oh! Oh!
suis toi. Quoi? Non, c'est pas possible que tu sois le monstre. Qu'est-ce que c'est que cette créature? Tu es toujours aussi sûr qu'il n'y avait pas de monstre? Ce dont moi je suis sûr, c'est qu'on doit se méfier. Si c'est vraiment T-Ninja, ça veut dire qu'il a découvert la source des étoiles collantes. Mais quelle excellente nouvelle! Hé, toi là-haut, Ninjéan, je t'ordonne d'attaquer immédiatement les pyjamasques. Attention, droit devant. Il a fait ce que je lui ai dit. J'ai un ninjéan qui m'obéit au doigt et à l'œil. C'est le plus grand triomphe de ma vie. Que d'habitude, ces étoiles collantes? Non, on dirait que ce monstre les contrôle. Le moment que j'attendais, j'ai enfin vaincu les pyjamasques. C'est moi qui vais régner sur la ville. Avec un petit coup de main de mon ninjéan. Venez, Ninja Zouave, la ville est à nous. On va bien s'amuser. Voilà, c'est bien. Suis-moi, ninjéan. Avance encore, avance encore. Cette matière est super collante. Il faut qu'on réussisse à se détacher. Tu as raison, on ne peut pas laisser Ninjaka emmener ce monstre en ville. La montagne mystérieuse. Suivez-moi, le parchemin de la montagne mystérieuse est au fond de la salle. C'est quoi déjà un parchemin? C'est un papier très très ancien. Celui-là vient d'être découvert dans les archives du musée. D'après la légende, au sommet de la montagne mystérieuse, il y a un anneau qui donne à celui qui le porte les ninja-aptitudes les plus fortes du monde. Des ninjas quoi? Des pouvoirs qui peuvent faire de toi le plus fort des ninjas. Hein? Il n'est plus là? Regardez! Des cordes! C'est signé Ninjaka. Il veut trouver cette montagne pour prendre l'anneau. Il faut qu'on l'en empêche. Pyjamasque, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuit. Amaya devient... Bibou. Greg devient... Sacha devient... Yo-yo. Les pyjamas. On ne peut pas laisser Ninjaka trouver la montagne. Tu sais où il est, Pyjarobot? Les ninjas zouaves, ils sortent du musée. Il dit qu'il a vraiment envie de nous accompagner et qu'il peut déchiffrer le parchemin. Hé, c'est pas une mauvaise idée. C'est d'accord, il vient avec nous. On va prendre nos pyjamotos. Promets-moi d'être très prudent. Voyons voir. D'après ce qui est écrit sur le parchemin, la montagne se cache derrière un portail magique. C'est ça? Et le portail se trouve ici. C'est ça? Eh bien, puisque tu es si malin, ouvre-la, toi! Est-ce que vous voyez ce que je vois?
blague. Seul un ninja comme moi mérite de trouver la montagne et l'anneau. Allez, salut les pyjaminus. Il faut qu'on entre et qu'on trouve l'anneau avant Ninjaka. S'il le met à son doigt, il deviendra invincible. Oui, mais comment on entre? Je ne m'y connais pas en portail magique. Mais il m'a l'air bien fermé. Hourah! T'es le meilleur, Pigeon Robot. T'as bien fait de venir. Allons-y! Wow! Oreille de chat. Tu es vraiment sûre que c'est par là? Suivons-les. Attends, si l'anneau est au sommet, je peux très bien y aller en volant. Et le tour est joué. T'as un plan B? C'était ça le plan B. On revient au plan A. Suivons ces ninjas voir. Aussi collante que des étoiles de ninja. Oh, si on veut rattraper Ninjaka, on va devoir continuer à pied. En avant! Hibou Vision! Il y a un escalier tout près juste devant nous. Un raccourci? Eh bien, vas-y en premier, puisque tu en es si sûr. Je n'imagine même pas les pouvoirs que Ninjaka aura s'il trouve l'anneau avant nous. Évidemment que je le trouverai avant vous. Et une fois que je l'aurai, vous, les pyjaminus, vous ne pourrez absolument plus rien contre moi. Mais en attendant, pluie d'étoiles collantes! Glu glu, bouclier, écaille! Est-ce qu'il y a un autre chemin? Moi, je suis sûre qu'il y a des tas de passages secrets. Toi, reste ici et montre-leur la mauvaise direction. Ne me regarde pas comme ça. On reviendra te chercher. Enfin, peut-être. Par où sont-ils allés? Tout en haut, merci. Yo-Yo, attends! Le courageux Yo-Yo grimpe vers le sommet. L'anneau de ninjaptitude sera bientôt à lui. J'ai bien entendu. Tu as dit que c'était toi qui prendrais l'anneau. Désolée de te décevoir. Ces lianes sont super collantes. Yo-Yo, attention. Merci. Y'a pas de quoi. Je suis toute collée. Tiens bon, j'arrive. Pigeon Robot, suis-moi. On vous rejoint tout de suite. Sésame, ouvre-toi. Allez, rends-toi utile au lieu de te moquer de moi. Waouh, c'est impressionnant. L'anneau doit être derrière cette porte. Ne laissons pas Ninjaka s'en approcher. On fonce. Poussez-vous de là. J'ai besoin d'élan pour enfoncer cette porte. Rends le parchemin, Ninjaka. Maintenant que je l'ai volé, il est à moi. Si l'anneau de ninjaptitude est derrière cette porte, c'est moi qui l'aurai. Ninja Pyramide! Wow, c'est trop cool! Je dirais même super cool. À condition d'être un maître ninja. Et pas un sac à puce comme toi. Si quelqu'un doit posséder l'anneau de ninjaptitude, c'est nous. Sa place est entre les mains d'un vrai héros. Cause toujours. Cet anneau m'appartient. Yo-Yo, un gros vaisseau. L'anneau, il est forcément là-dedans. Minute, c'est moi qui l'ai vu le premier. Oh.
Oh, ça c'est pas bon signe. Oh, des langues de dragon collantes. Oh. Au secours. Qu'est-ce qui se passe? Et où est passé Yo-Yo? En même temps, j'y suis presque. Je vais te tirer de là. Oh, génial. On fait quoi maintenant? On ne se lâche pas. Salut les copains, vous tombez bien? Un petit coup de main? Glu glu méga muscle! Hein? Oh, oh! Allez, viens! Oh, il existait un chemin plus facile? Mais pourquoi tu me l'as pas dit avant? Quoi? C'est la pige à boîte de conserve qui t'a aidé? Oh, une autre fois peut-être. Oh non! Attention, sauf qu'il peut! Courez, courez, courez! Ah découvrir. Si elle est mystérieuse, elle doit cacher d'autres secrets. En tout cas, je suis sûre qu'on y retournera bientôt si Ninjaka n'abandonne pas. Pyjamas, on crie hurrah! C'est dit, on a réglé les tracas! Le plan glacé de Gluglu. Qu'est-ce que c'est? De la glace? Mais on est en plein été! Les stalactites? Ça, c'est de la glissade! Il y a de la glace vraiment partout! Et tout le monde dérape sur le verglas! Mais regardez au bout de la rue! Ce n'est pas du tout gelé! Qu'est-ce qui se passe? On va vite le découvrir! Pyjamas, on a un nouveau défi! Les soucis, on les règle la nuit! La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Sacha devient... Yo-Yo! Amaya devient... devient... Glu-Glu! Les pyjamas! La reptile au mobile peut coller à tout sans glisser. Ce serait parfait pour la glace. Et si on prenait la reptile... l'astro-hibou, en survolant la ville, on verra ce qui se passe. Bonne idée, Bibou! Mais la reptile au mobile serait plus... Non, ils ont sûrement raison. Chut. Allez, Gluglu, une mission nous attend!
ce matin. Maintenant, la moitié de la ville est gelée. Les chiens et les chats ont même arrêté de courir pour se tenir chaud. Waouh. Qu'est-ce que c'est? Hibou Vision. Regardez là-bas, le labo de Roméo. Hey, je m'amuse comme un fou. J'étais sûre que c'était un coup de Roméo. C'est quoi là? Le gros tuyau? Ah! On dirait une machine à glace! Rattrape le bibou! Je me demandais combien de temps il faudrait au Super Zéro pour venir m'embêter! Qu'est-ce que tu fais, Roméo? Ça ne se voit pas? Je transforme la ville en montagne russe glacée pour mon nouveau labo toboggan! Mon labo toboggan! J'y suis presque! Roméo, si tu veux juste aller vite et t'amuser, je peux aussi me servir de mes méga muscles pour pousser ton labo sur ses roues. Je ne fais pas ça juste pour m'amuser, même si j'avoue que ça m'amuse. Je fais ça pour que tout le monde soit trop occupé à glisser dans tous les sens pour m'empêcher de prendre le pouvoir sur la terre entière! Roméo veut geler la terre entière! Ah, mais c'est raide! Nom d'un hibou déplumé! Impossible de passer! Il faut se poser! Il faut qu'on arrête Roméo avant qu'il ne gèle encore plus de trucs! C'est vraiment super glissant! Merci, Glugli. Hé, moi je pourrais attraper Roméo avec mes Gluglu pieds collants. Pas la peine, Gluglu. J'ai un plan qui va marcher à tous les coups. Oui, mais le mien est encore plus... J'ai besoin de vous. Il faut vite reprendre l'astro-hibou. Bon, ben, mon idée attendra alors. Bibou, trouve Roméo grâce à ta hibou vision. Et ensuite, je compte sur toi pour qu'il ne nous remarque pas, Gluglu et moi. Hibou vision. Je l'ai repéré. Wouhou. On y va, Gluglu. Je vais me faufiler jusqu'au labo par en dessous et toi par au-dessus. Le temps que Roméo réalise qu'on est là, on lui aura déjà pris les commandes. Yo-yo, Antrobasso. Ça devait être le vent. Aussi agile qu'une panthère, Yo-Yo saute sur le tuyau glacé et grimpe jusqu'en haut grâce à son... Wow! Grâce à son... Wow! Yo-Yo ne s'avoue jamais vaincu. Bon alors, t'en as mis du temps. Alors, Minet, tu veux jouer à un chat glacé avec moi? C'est toi le chat! Oh! Fais attention, Yo-Yo! Oh, oh! Je suis frigorifiée! Je ne peux plus bouger! Sors-moi de ce glaçon, Roméo! Bibou, je crois que j'ai la solution contre Roméo. Regarde! Pas maintenant, Gluglu, reviens ici! Yo-Yo, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous occupez pas de moi, Roméo s'enfuit! Vite, rattrapez-le! Alors, on n'arrive pas à suivre les pyjamachins? Oh, on est peut-être des super-héros, mais là, Yo-Yo est surtout un super glaçon! Il faut qu'on trouve un plan à nous deux, Gluglu, et vite! C'est justement ce que j'essaye de te dire. Moi, je peux... Hé! Hey, je viens d'avoir une idée! Je vais avoir besoin de toi! Mais avec mon plan... Bon, d'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Ah, aile de la nuit! Ah, c'est mieux! Parfait! Je vais accrocher ça au labo et toi, tu tires avec tes méga muscles pour l'empêcher d'avancer! Oui, mais... Et là, on prendra le contrôle de la machine à glaçons!
Vas-y, Glugli! Attends! Tu ne fais pas le poids face à mon génie, Pyjaminus! Située sur la Lune. Personne n'a jamais réussi à déchiffrer ses dessins. C'est un papy nuit dans le cristal. Et là, on dirait que c'est une fille. Motsuki va se transformer et devenir une fille. Ce sera la petite sœur que j'ai toujours voulu avoir. On pourra faire plein de choses méchantes ensemble. Aider à la faire éclore. Je suis pas une poule. Oh.
la lune rousse. Je l'ai vue hier. Des tracas lunaires? Ces missions sont les plus dures. Ne t'en fais pas, ça s'est bien passé la dernière fois. Et on s'occupera de toi. Mais je n'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi. Je n'aime pas trop ces missions, c'est tout. Je ne trouve rien sur les lunes brillantes. Greg! Quoi? Fais attention! Mais je l'ai à peine touché! C'est la mission qui te rend nerveux? Tu trembles un peu et tu as failli faire tomber le télescope. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est la mission qui te rend nerveux? Tu trembles un peu et tu as failli faire tomber le télescope. Non, ce n'est pas du tout ça. D'accord, tu n'es pas du tout nerveux. Si tu le dis, je te crois. Mais tu as le droit de l'être. Ça va, je vous dis. Mission lunaire, on arrive! Pyjamas, on a un nouveau défi! Les soucis, on les règle la nuit! La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Bibou! Ouais! Ha! Greg devient... Sacha devient... Yo-yo! Les pyjamas! Paré pour le décollage, pyjarobot! Oh! Vous avez enlevé deux vis du télescope? Je savais que mon idée marcherait. Maintenant, il est temps de causer encore plus d'ennuis aux lézards gluants. Hein? On sera bientôt prêts. Glu-glu, est-ce que tu as appuyé sur ce bouton par erreur? Non. Tu es sûre que tu n'es pas nerveux à l'idée d'aller sur la Lune? Qu'est-ce qui nous prend ce soir? Restons concentrés. Nerveux à l'idée d'aller sur la Lune. Est-ce que tu as appuyé sur ce bouton par erreur? Oui, continuez à vous disputer. C'est justement de cette colère que ma petite sœur a besoin, les Pyjaminus. En route pour la Lune! Comment se préparer à l'arrivée d'une petite sœur? La vie est pleine de changements et il est important de savoir s'y préparer. Oh, je crois que je suis prête. Elle pourra jouer dans ma forteresse. Et elle aura des photos de sa grande sœur à admirer. Maintenant, des jouets. Je sais, ça lui fera sûrement plaisir d'avoir trois pyjas prisonniers à embêter. C'est la première chose que tu vas m'aider à accomplir, petite sœur. Piéger les pyjanouilles et les emprisonner pour toujours. À pas de loup, Yo-Yo part explorer la grotte lunaire. Yo-Yo! Oh, je peux pas m'approcher à pas de loup si les pyjamotos roulent dans tous les sens. Je te l'ai dit, je n'ai rien fait. D'où vient cette lumière? Qu'est-ce que c'est? Attention! Il n'y a pas assez de place pour nous trois. Nom d'une plume, le rocher a bougé. Oh, tu l'as poussé avec tes méga muscles? Non, jamais je ne mettrai Bibou en danger. Le rayon est en train de vous viser. Je vais faire diversion. Va récupérer Bibou, on se retrouve au QG. Yo-yo, rapido. Des papinuis sur la Lune? Tu devais faire diversion! Désolée, j'ai trébuché! J'ai tout vu! C'est la faute des papinus! Exactement, cervelle de moineau! Sorceline, il y a un papinuit dans ce cristal! C'est Matsuki! Mon papinuit qui est en train de devenir une fille! Une fille? Ça n'a pas été facile! Il m'a fallu un papinuit, un cristal... Oh, ah oui! Et une dernière chose...
de la colère, des disputes, des bagarres, mais je crois que vous savez de quoi je parle. C'est elle qui nous a mis en colère toute la soirée. Ce sont les papinuis qui ont poussé le rocher. Et qui ont contrôlé vos motos, touchées au bouton du QG. Et qui ont aussi fait tomber ton télescope. Sorceline nous a fait croire que tu étais nerveux. Et quand vous m'avez dit ça, ça m'a énervé. Mais pourquoi tu ne t'es pas servi de Ninjaka? Ou de Roméo? Ils sont tout le temps en colère. Oh, il fallait que ce soit des gentils. Quand des gentils se disputent, c'est encore mieux. Motsuki a ressenti votre colère quand vous étiez encore sur Terre. Moi, je n'ai fait que m'assurer que vous vous disputiez pendant tout le schéma. Oh, ma petite sœur! Elle va éclore, ça y est! Oui! Regardez! Petite sœur? Motsuki? C'est moi, Sorceline. Sorceline? Maintenant je pars! Oh, je sens qu'on va bien s'amuser toutes les deux. Tu te souviens des pyjamasques? Des disputes et des bagarres. Fais éclore Motsuki. Vous deux, vous vous êtes servis de nous. Motsuki dit choses méchantes. Beaucoup de choses qui mettent les gens très en colère. Très bien, petite sœur. Emmenons-les à la forteresse lunaire et récupérons leur pouvoir. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Cristal de Motsuki à pouvoir. Envoyez Pyjamasque dans l'espace. Essayez, essayez. Non, j'ai eu mon idée géniale en premier. Donc, on récupère leur pouvoir. Oh, Sorceline aussi en colère. Drôle. Très drôle de parler. On suit plan de Motsuki. Hé, tu dois m'obéir et être aussi méchante que moi. Motsuki est bien plus méchante que Sorceline. Alors ça m'étonnerait. Tout le monde est énervé ce soir. Oui, mais nous ne le sommes plus. Sortons d'ici avant qu'elle ne récupère nos pouvoirs. Ou qu'elle nous envoie dans l'espace. Ce sont les cristaux qui ont créé les champs magnétiques. Peut-être qu'ils peuvent aussi nous permettre de nous libérer. Il faut essayer. C'est l'heure d'être un vrai héros. Rattrapez le chaton. Cela affaiblit. Glu glu méga plus. Papinui m'a donné la tête qui tourne. Pyja Robot, trouve tout ce que tu peux sur les transformations de Papinui. Je crois qu'on va avoir droit à une démonstration gratuite de ses pouvoirs. Tu peux me faire voler dans l'espace? Aller sur la lune quand je le veux? Finalement, on va peut-être s'entendre. Oh. Hein? Donne aimant lune. Oh waouh, ton cristal est surpuissant. Oui. Ma façon, plus méchant. Non, à ma façon. Mais arrêtez! Les copains, je crois que j'ai une idée. Hé, hey, Sorceline, je parie que tu peux pas me viser avec ton rayon. Motsuki, par ici. Visez lui. Non, elle, c'est mon aimant lune. Mon cristal. Si tu voles avec ce cristal, c'est parce que je t'ai aidé à éclore. Non, toi obéis à Motsuki, grande sœur. Arrête. Lâche mon aimant lune. On est libre. On a réussi, ouais. Dommage qu'on ait aidé Sorceline à faire éclore une nouvelle méchante. On trouvera un moyen de l'empêcher de nuire. Prépare-toi, Motsuki. On n'a pas dit notre dernier mot. Pyjamas, quand on crie hurrah, c'est lui, on a réglé les tracas. Motsuki adore les mots. Les mots mettent Sorceline très en colère. C'est ta faute si mon plan a échoué. Mais très drôle. Oh. Tout se passe exactement comme prévu. Halloween, c'est bien notre fête à nous, les méchants. Alors c'est à nous de jouer. Au secours des voleurs! Par ici, les sacs de bonbons.
On prend tout et on file. Par mes moustaches, tous les méchants font équipe ensemble. Oh non, c'est un triple cauchemar. Pyja Robot, c'est Bibou. Tu peux nous aider? C'est rapide. Il a un plan pour piéger les papis nuits. Accrochez-vous. Ça, c'est ce que j'appelle une idée lumineuse. Mais ils ne veulent toujours pas nous lâcher. Je sais ce qu'on peut faire. À mon signal, 1, 2, 3, dili dili. Bien joué, Bibou. Toi aussi, bien joué, Pyja Robot. Trois enfants déguisés en chiens qui nous ont volé tous nos bonbons. Ils ont gâché la fête d'Halloween. Ne craignez rien, Capitaine Cameron est là. Ni les toiles d'araignée ni les fantômes ne peuvent m'arrêter. Alors je peux aussi ramener tous les sacs de bonbons. Capitaine Cameron. Mais c'est nous qui avons tout fait, c'est pas lui. Il s'imagine être un héros, c'est tout. Écoute, il n'y aura pas de héros du tout si on ne s'occupe pas des méchants. Pensons à notre mission. Oreille de chat. Les farfelous, ils sont quelque part dans le parc. Venez. Vous sentez les super pouvoirs de la farfelune d'Halloween? Yep, yep. Il faut qu'on trouve un endroit pour cacher les sacs de bonbons. Hop! Non, c'est plus la peine. Je les ai déjà déposés dans une cachette top secrète. Super! Où est cette cachette? C'est une cachette tellement secrète que j'ai oublié où elle était. Oh, Tilou, fais un effort! Pas besoin! J'ai inventé une poésie pour m'en souvenir. Maintenant, il faut juste que je me rappelle la poésie. Halloween rime avec racine et donc les bonbons d'Halloween doivent être... Au pied d'un arbre! On trouvera quel arbre grâce à notre flair! Loon! Scarlou! Tu as retrouvé la cachette? Encore mieux! Un os! Et ils se prennent pour des super farfelous! Moi je savais qu'on pouvait pas leur faire confiance! Regardez! La piste des farfelous continue par là! Les pyjamasques? Je croyais m'être débarrassée d'eux! Ben c'est raté, et mon plan génial va rater aussi. Mais non, tout n'est pas perdu. Il nous faut juste un plan d'attaque. Je sais quoi faire. On va se servir d'eux. Quand ils auront retrouvé les bonbons, on les prendra. Alors, tu vois que c'est pas si compliqué. Hé, les farfelous, vous cherchez quelque chose? Non. Vous savez, si vous ne nous dites pas où vous avez caché les sacs, il n'y aura de friandises pour personne. Moi, ce que je préfère manger, ce sont les hot dogs. La poésie! Friandises d'Halloween, délicieux bonbons, je vous ai caché avec mes hot dogs. Mais il n'y a même pas de rime. Et où est-ce que tu caches tes hot dogs, Tilou? Dans la petite cabane. Qui attrapera le nanas? Il faut qu'on arrive à la cabane avant eux. Yo-yo, rapido! Tous les sacs de friandises sont là. Ouais, génial. Je vous prends la main dans le sac. Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Par tous les anneaux de Saturne, lâchez ces friandises ou vous aurez affaire à la justice intergalactique. On avait bien l'intention de les rendre, mais fais-le toi si tu veux. Vous vous faites passer pour des héros, mais sous le costume, vous n'êtes que des voleurs. Qu'est-ce que tu viens de dire? Nous, on est les pyjamas. Tais-toi, Glu-Glu, ça doit rester secret. Mais d'abord, il croit qu'il sauve tout le monde alors que c'était nous. Et maintenant, il nous prend pour les voleurs de friandises. C'est vraiment pas juste. Ah, tous ces bonbons, mais il y en a des centaines. Et si finalement, je les gardais tous pour moi? Je plaisantais, bien sûr. Nom d'une petite plume, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne peut pas lui montrer qu'on a des pouvoirs. On reste où on est et on intervient à mon signal. Où est-ce que tu comptes aller comme ça, avec nos sacs de bonbons? Ils sont déguisés, c'est tout. Je peux leur résister. Je suis le capitaine Cameron. Au lieu de marmonner, donne-nous les friandises. Reculez tous.
Ne m'obligez pas à utiliser mon moulinet spatial contre vous. Attends, toi tu as des pouvoirs spéciaux? Exact, je suis le capitaine Cameron, un héros interplanétaire venu d'une autre galaxie. Pas d'autographe, je suis en mission. Wow, et est-ce que tu es déjà allé sur la Lune? Pas encore, j'ai été très occupée. D'ailleurs, excusez-moi, mais je dois filer à la vitesse de l'éclair. Il n'a pas de pouvoir. Ramassez les friandises. Allez-vous-en. Tourbillon intergalactique à la rescousse. Allons-y. C'est moi qui ai fait ça. Je n'enlèverai plus ce déguisement de toute ma vie. Vite, allons-nous-en d'ici. Fuyons à toute patte, sinon il va nous envoyer dans l'espace. C'est l'heure d'être un vrai héros, pas comme lui. Qu'est-ce que vous attendez, les ninja nouilles? Le soir de Noël? Rattrapons-les. Quoi? Mais qu'est-ce que vous... Mission accomplie. Mes super pouvoirs les ont fait dégarpir. Avec tous les sacs de friandises. Non. On va par où maintenant? Bibou Vision! Ils se rejoignent tous dans les égouts. Dans les égouts? Allez, viens, on va s'inviter à leur fête. Vous n'avez pas trouvé pire comme cachette secrète? C'est tout mouillé ici. Et il fait noir. Ça me donne la chair de poule. Chair de poule. Qui a dit ça? C'est juste l'écho. Nos pouvoirs d'Halloween commencent à faiblir vu qu'on n'a plus la lumière de la farfelune. Je l'ai inventé, cette histoire de farfelune. Vous croyez vraiment tout ce qu'on vous raconte? Tu veux dire qu'on ne va pas devenir tout garou? Arrêtez de pleurnicher. On est ici pour fêter la plus belle soirée d'Halloween de notre vie. C'est le moment de nous partager toutes ces friandises. C'est incroyable qu'ils aient réussi leur coup. Et on ne peut rien faire, ils sont trop nombreux. On s'est débarrassé des piges à casse-pieds. Maintenant ils doivent être en train de tourner en rond. Tout ça grâce à moi et à mon plan de génie. Ton plan? Non mais tu plaisantes, c'était mon idée à moi. Attendez, et nous alors? Avec ma super poésie sur les hot dogs. Friandises d'Halloween, délicieux bonbons. Elle rime pas ta poésie. Ça alors, voilà qu'ils commencent à se disputer pour savoir qui est le plus fort. C'est vraiment pas mal, hein? Non, c'est un peu ce que j'ai fait moi aussi. Je cherchais plus à être reconnu comme le héros qu'à essayer de sauver Halloween. Mais on pourrait se servir de ça pour les battre. Ensemble, les méchants sont plus forts que nous. Mais il suffirait de pas grand chose pour les séparer. Attends, je sais ce qu'on pourrait faire. Voilà, 10 pour moi et 2 pour chacune des autres équipes. Tout le monde va y trouver son compte. Où t'as appris à compter? On va se régaler. Miam. C'est pas équitable, c'est pas juste. Les copains, il y a un fantôme. Mais les fantômes n'existent pas, voyons. C'est Sorceline. Elle essaie encore de nous jouer un tour pour prendre toutes les friandises. Même pas vrai. En même temps, c'est normal que j'en ai plus. C'est moi qui ai tout fait. N'importe quoi. Si on a tous ces bonbons, c'est grâce à moi. Je mérite d'en avoir plus que les autres. C'est nous qui les avons volés et cachés. On veut la plus grosse part. Vous. Finalement, vous en aurez 0. Parce qu'on va tous les rendre aux autres enfants. C'est le lézard gluant. Attrapez-le. Pour ça, il faudra m'attraper d'abord. Yo-yo, Lidogo. Et au quoi? Yo-yo, Rapido. Ça en fait plus pour moi. Merci. Glu glu, boucli, écaille. Oh, c'est le moment de récupérer tous les sacs pour nous. Bibou, c'est vraiment pas chouette de gâcher notre fête. Ce qui est chouette, c'est partager. Du coup, je vous donne mon sac. Joyeux Halloween. Oh. Il est pour moi. J'ai des bottes. Je crois qu'ils ne changeront jamais. Le garçon de
pour nous arrêter. Je suis le capitaine Cameron. Je vous ordonne de vous rendre et surtout de rendre les bonbons. Maintenant, on ferait bien de suivre les ordres du capitaine. Je vous ai dit de sortir de là. Waouh, c'était trop fastoche. Vous auriez dû voir ça. Je les ai tous fait fuir. Vous auriez été bien embêtés sans héros pour vous protéger. Capitaine Cameron. Vive le capitaine Cameron. Heureusement qu'il y avait un héros. Ou plutôt trois. Alors, ça ne te dérange plus que les autres le prennent pour leur sauveur? Non, parce que quand c'est l'heure d'être un héros, ce qui compte, c'est ce qu'on fait pour aider les autres. Et maintenant, c'est l'heure de se régaler. Pyjamasque, on crie youpi. Cette nuit, on a sauvé Halloween. Glu-glu sauve Noël. Oh, c'est dommage. Demain, c'est Noël et il n'y a toujours pas de neige. C'est vrai que ce serait chouette, mais on va quand même s'amuser. Wow, je n'y arrive pas. Oh. Qu'est-ce qui ne va pas, Greg? Demain, c'est Noël, tu devrais être content. Je ne suis pas content de patiner, c'est la première fois que j'en fais. Et je sens que je vais être mauvais. On va t'aider, allez, essaye. Ça fait partie de la magie de Noël comme le sapin. Oui, avec ses boules et ses guirlandes qui brillent. Quelles boules et quelles guirlandes? Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus rien sur le sapin. Toutes les décorations ont disparu. Même l'étoile n'y est plus. Les décos de Noël étaient trop belles et en plus, il y en avait plein. Elles n'ont pas pu s'envoler comme ça. Quelqu'un a dû les voler hier soir. Mais comment ce quelqu'un a fait pour atteindre le sommet? C'est hyper haut. Il faut qu'on mène l'enquête. Et pour ça, pas besoin de patins en glace. Pyjamas, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Sacha devient... Yo-yo! Amaya devient... Greg devient... Glu-glu! Les pyjamasques! Celui qui a volé les décos de Noël a dû grimper très haut. Il va falloir qu'on fasse pareil. Venez, on prend l'astro-hibou. C'est demain matin et personne n'aura de paquet au pied du sapin. Sorceline, prends-nous tous ces cadeaux. Ils ne sont pas pour toi. Maintenant que je les ai volés, si, ils sont à moi. C'est mon Noël rien que pour moi et je ne partage pas. Hé, si on lui prend son aérolune, elle ne pourra plus voler jusqu'aux cheminées. Bonne idée, Glu-Glu. On y va. Je vais la faire redescendre. Aile de la nuit. Désolée. C'est pas grave, mais il faut qu'on la rattrape. La
L'astro Hibou est trop gros pour passer dans ses ruelles. Bibou, tu la rejoins en l'air. Et nous, on te suit d'en bas. D'accord, c'est parti. Pas si vite, sœur Céline. Tu ferais mieux de rendre ces cadeaux. Non, je crois que je ferais mieux de les garder. Mais viens les chercher si t'es si forte. Hé, c'est à moi, vieille chouette. Non, 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 non. Pyjamasque, j'ai besoin d'un coup de main pour la faire descendre. Yo, yo, gros basson. Hein? Tiens, revoilà le sac à puce. Alors, voyons voir si les chats retombent toujours sur leurs pattes. Wow. C'est Noël? Mais c'est drôlement triste. Hé, hey, pourquoi tu le passerais pas avec nous cette année? Avec vous? Oui, il faut qu'on aille rendre tous les cadeaux et redécorer le sapin. Viens nous aider. Et ensuite, on fêtera Noël ensemble. Qu'est-ce que tu en dis? D'accord. Pourquoi pas? Monte avec moi alors. Il est l'heure de sauver Noël. Ouais! Ouais!
Et voici le tout dernier cadeau. Super! Tu es de plus en plus fort pour faire de l'aérolune, Gluglu. Merci! Maintenant que j'ai pris le coup de main, j'adore ça! Tu nous as bien aidés, sœur Soline. Alors, tu peux récupérer ton aérolune et ton aimant. D'accord. J'imagine que vous allez me laisser maintenant. Ça veut dire que la fête est finie pour moi. Ne t'inquiète pas, on ne va pas partir tout de suite. Il nous reste une chose à faire. Tu ne trouves pas ça super beau, sœur Soline? Si, si. Mais maintenant, la fête est vraiment finie. Et je n'ai même pas eu le droit à un cadeau. Bien sûr que si! Des pâtes à glace! Mais vous savez, je n'en ai encore jamais fait. Ce n'est pas grave, je ne sais pas en faire non plus. Mais on va y arriver. Allez, viens, il suffit d'essayer. Pyjamas, on crie hurrah! Cette nuit, on a sauvé Noël de tous ses tracas! Waouh! Ouais! Waouh! Hein? Hé, qu'est-ce qui se passe? Il neige! De la neige pour Noël! Attrapez un flocon avec votre langue! Mission Extra Totem. Une nouvelle mission à bord de l'Extra Totem. Ça va être géant. Et Pyja Robot nous montrera ses dernières trouvailles. Hein, Greg? Greg? Hein? Oui, désolé. C'est juste que Lionel n'est pas comme d'habitude. Peut-être qu'il s'ennuie. Toute la journée dans son vivarium. Ça doit être ça. Il a besoin de sortir. Hein, mon grand? Ça te dit de nous accompagner pour voir l'Extra Totem? On fait comme ça. Pyjamasque, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Bibou. Ouais. Ha. Greg devient... devient... Yo-yo! Les pyjamas! Salut, Pyja Robot. Qu'est-ce que tu fais? Tu améliores l'extra totem pour qu'il soit absolument parfait. Il ne nous manque plus qu'une mission spéciale pour pouvoir l'utiliser. Regarde qui est là, Pyja Robot. Lionel va te tenir compagnie. La bibliothèque, il s'y passe quelque chose. Tous à l'extra totem. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens toujours pas mieux? Gluglu, on t'attend. Oh, désolé, c'est à cause de ces grands yeux tristes. Ça me déconcentre. Et pour le nouveau Pyja Scanner. Mais il n'y a rien devant la bibliothèque. C'est peut-être à l'intérieur qu'il se passe quelque chose. Chut. Il n'y a personne. Et tout est bien à sa place. Un cambrioleur qui ne vole rien, c'est quand même étrange. Vous avez entendu? Salut, petit chat. Pourquoi tu miaules? Maintenant, c'est toi qui te déconcentres. J'adore les chats. Ils sont très débrouillards. Comme moi. Je n'ai pas le temps. Je suis en mission.
détecteur de chaleur et de mouvement. Tu as pensé à tout, Pyjama Robot. Lionel est vraiment très agité aujourd'hui. C'est peut-être l'excitation d'être à bord de l'Extra Totem. Oui, peut-être. Vite, au musée. Je vais jeter un œil. Yo-yo, rapido! Rien n'a été volé. Il manque juste un os de dinosaure. Mais pourquoi l'avoir laissé ici? Chut, écoutez. Un oiseau, juste là. Qu'est-ce qu'il fait debout au milieu de la nuit? Tu veux qu'on enquête? Pas la peine. Il cherche sûrement des brindilles pour son nid. Cui, cui, cui. Regarde ce que Sœur Céline t'apporte. Bibou, est-ce que c'est normal qu'un oiseau se lève en pleine nuit pour construire son nid? Pas vraiment, mais... Chaque chose en son temps. Occupons-nous d'abord d'attraper le voleur. J'y pense parce que Lionel est vraiment bizarre. Et il y a eu ce chat aussi. Une alerte? C'est le magasin de jouets. Allez, Pyjama Robot, on fonce. On a encore raté le voleur. Des petites voitures ont disparu de ce présentoir. Attendez, c'est quoi ça? Bork! Ça sent comme les friandises pour animaux. Cette mission est de plus en plus étrange. Une minute, un lézard, un chat, un oiseau. Ce ne sont pas n'importe quels animaux. Ce sont nos pyjanimaux. C'est peut-être pour ça qu'ils attirent autant notre attention. Je n'arrête pas de penser à l'oiseau de tout à l'heure. Moi, je n'arrive pas à penser à autre chose qu'à mon petit Lionel. Ses grands yeux. Mais j'ai aussi comme une drôle de sensation. Juste ici. Moi aussi, je sens quelque chose. Moi, pareil. Hein? Lionel n'est plus là. Comment ça se fait? C'est ça notre mission. Nos pyjanimaux essayaient de nous dire quelque chose, mais on les a ignorés. Il n'est pas trop tard. Il faut retrouver Lionel et les autres. C'est l'heure d'être de vrais héros. Des héros à l'écoute des animaux. Glu-glu? Patrouille toute la ville. Nous, on essaye de repérer les animaux. Et pour ça, on va employer les grands moyens. Bibou? Je vais utiliser le nouveau pyjascanner. Excellente idée, Bibou. Moi, je vais allumer le satellite. Bien joué, les amis. Quant à moi, je vais mettre mes glu-glu reptilosens en éveil. Les amis, je capte des miaulements et un chant d'oiseaux dans le parc. Attendez, j'ai autre chose. C'est Sœur Céline. Et elle n'est pas seule. Bon, Pyjama Robot, tu restes ici. Ça peut être dangereux. Qu'est-ce que tu fabriques encore, Sœur Céline? Et où est Lionel? Attends une seconde. Viens, petit lézard. C'est l'heure du goûter. Lionel! Reviens tout de suite. Et notre accord? Vous volez des trucs pour moi contre des friandises. Lionel n'est pas un voleur. Je suis sûre que ce chat non plus. Et toi non plus, pas vrai? Tu as donné des friandises à Lionel hier pour l'encourager à voler des choses. C'est pour ça qu'il était nerveux. J'avais besoin de ces bestioles pour me rapporter des choses. Quelques jouets, un squelette de dinosaure pour ma forteresse. Trois fois rien. Mais tu en as déjà des animaux voleurs, les papinuis. Oh, c'est que mes nouveaux compagnons sont bien mieux que ces idiots de papinuis. Papinuis, pas idiots. Oh, vous êtes là, mes petits papinuis. Mais ces petites bêtes-là ne sont pas à toi. Tu n'as pas le droit de les prendre comme ça. Je fais ce que je veux. Motsuki a pris les miennes, moi je prends toutes celles des autres. Papinuis choisirent Motsuki. Et eux, ils ont choisi d'être avec moi. N'est-ce pas, mes chéris? Si vous ne venez pas, je viens vous chercher. Laisse-les. Ce sont nos pyjanimaux. Ah oui,
de chance pour vous. Mais je n'ai trouvé ni éléphant, ni chimpanzé. Papy Nuit de Motsuki, mieux que petite bête ridicule de Sorceline. Ha ha, c'est ce que tu crois. Sorceline méchante. Motsuki veut tous les animaux pour les emmener sur la lune. Lionel, glu glu méga muscle. Quoi? Toi aussi venir avec Motsuki. Glu glu, ça va, je n'ai rien. On arrive à la rescousse. Rends-moi mes animaux de compagnie tout de suite. Oh. Oh. Motsuki va emmener tous les pyjamasques sur la lune. Oh. Plein de petits compagnons mignons juste pour Motsuki. Comment on va sortir de là? En faisant ce qu'on n'a pas fait tout à l'heure. Communiquer avec nos piges animaux. Lionel, écoute-moi, aide-moi. Petit chat tigré, aide-moi. Bel oiseau, écoute-moi, aide-moi. Tu es prêt? À toi, petit oiseau. Oh, joli coup d'aile. Hein? Oh, wow. Maintenant, sortons tous de nos bulles. On ne les reverra pas avant très longtemps. Tu as couru comme un tigre. J'étais impressionnée. Maintenant, j'écouterai toujours ce que tu as à me dire. Promis juré. On fait une super équipe tous les deux. Tu veux refaire un tour dans l'extra totem? Mais pas question de toucher à tous les boutons, d'accord? Je te connais bien, Lionel. Pyjamasque, on crie hurrah! C'est lui, on a réglé les tracas.